bitumba ezali liboso baboma bato babomaka naino vérité nani akoki koyebisa biso vérité ya bitumba oyo comme des fils perdus dans une terre meurtrie comme un rêve tout noir le Congo s'assombrit la guerre nous l'espoir dans un cerveau mot tout noir l'est du Congo s'est embrasé par des agressions insensées le Congo se veut la pépinière un havre de paix pays sans guerre à bas la balkanisation échec aux violations aïe, aïe, aïe. Le Congo est notre droit notre intégrité notre chère patrie il demeurera indivisible comme un seul homme, allons-y combattre, défendons la souveraineté de la République. Vita mudinda, vita di lolo. Anu babu banje, nebune nebwa ditunga. Tui mana ibonso, tui fata belwishi. Mujitunga, diabanka mbobetu. Elamba ya ko defa lata mona mesure yo kuteli ya e komi tango ya bomoko bitumba oyo esila libela banguna botika biso anaye naye kusangisa kosangisa makasi mayele na baeba lubi stop stop à la guerre à l'est boucheri wana e umeli mingi on dit stop à la guerre à l'est. Mungu alitupatia Kongo Baba baba sili kokufa Baba baba sili na bitumba bana batika ni bitike Kongo elo bimolingi etikala ya bafele Ba kongole na ba kongolese oyu Bazali na monde entier Precisément tuto za awa na Genève na place de la nation Doyé pour la manifestation, pour la faire dégager Paul Kagame, Oyama Tchombe, Oya Rwandé. Donc, doyé pour la voyer Pisaïe, Afrikana, pour dégager gentiment ce qui a été enterré. Rwandé, ils ont dit Davis, Nabiso, Kagame dégage. Alors, tout ça, Awa, par Congolais, il y a des pères et des mères. Et puis, Bango, ils ont mis ma route. Par Fatibiche, tout ça, dans le vaccin, il y a Fatibiche. Parce que c'est le premier citoyen du pays. Donc, l'idéologie n'a rien que de petit cata, un centimètre et bien là-bas, étranger pour la base. Comme là, pour dire non
non à la balkanisation du Congo, République démocratique du Congo. Il y a l'agression d'une partie de l'Est de la République démocratique du Congo par le président Paul Kagame, qui donne des armes sophistiquées aux rebelles, aux terroristes, pour attaquer cette partie-là. Il y a eu en 300 personnes qui sont tuées. Et pour ça, on va observer d'abord une minute de silence pour tous les morts qui sont de l'Est et aussi ceux qui sont morts dans la catastrophe actuelle. Merci. On commence par l'hymne national congolais. Et congolais, unis par le sang, unis par le sang pour l'indépendance. Raison d'enfant, longtemps coupé. Nous assurerons ta grandeur. Grande joie au doux soleil, grande joie du grande joie. Jour sacré, sois le témoin. Jour sacré de liberté, serment de liberté. Que nous léguons à notre prospérité pour toujours. Je finis la guerre. Nous appartient, nous disons non à la communauté internationale, non à l'ONU qui est en face de nous, parce que Guterres a dit que les M23, les terroristes, ont des armes plus sophistiquées que eux. Alors la MONUSCO, qu'est-ce qu'elle fait chez nous au Congo? Si elle n'arrive même pas. Si elle n'arrive même pas à protéger un peuple. Alors nous disons non à l'ONU, parce que l'ONU est là, c'est vraiment l'Organisation des Nations. Et pourquoi? Pourquoi est-ce que l'ONU ne protège pas la nation, le peuple congolais? Pourquoi l'ONU est là pendant 22 ans et ne fait rien du tout? Et pourquoi la communauté internationale se tait? Pourquoi personne n'en parle? Au téléjournal, à 19h30, tout comme à 12h45, la Suisse n'en parle pas. Pourquoi? Pourquoi on regarde toutes ces tueries? Mais par contre, elle déroule le tapis rouge à Paul Kagame. Paul Kagame, le président rwandais, c'est lui qui envoie des rebelles tuer le paisible peuple congolais. Et nous sommes là réunis pour dire non à cette pratique-là. Nous sommes victimes de nos minéraux. On sait que maintenant, avec le réchauffement climatique, tout le monde veut avoir une Tesla, la voiture électrique. Tout le monde a besoin de téléphones portables, que nous avons tous là. Nous avons des ordinateurs, nous avons d'autres, mais tous ces minéraux-là viennent d'où? Viennent du Congo. Eh bien, venez tranquillement, on va faire les affaires gagnant, et puis on vous vend les minéraux. Non, Paul Kagame entre au Congo, envoie ses rebelles, et les rebelles arrivent au Congo, on viole les dames.
on viole les jeunes, les filles, on viole même les garçons. Et après, on prend les jeunes hommes, on les enrôle dans l'armée, dans cette armée-là des M23. Alors nous sommes là pour dire non, et le silence, il est tellement pesant, il est lourd. La communauté internationale doit bouger, doit parler, doit nous protéger. On a vu les autres agressions, là, l'Ukraine, ainsi de suite. La communauté suisse parle, la communauté internationale parle, fait des choses. Il y a eu la levée des fonds dernièrement. Pourquoi elle ne fait pas pour le Congo, RDC? Le Congo est orphelin. On a besoin de tout le monde. On a besoin de vivre dans la paix. On a besoin de la tranquillité. Venez faire les affaires, mais au grand jour, pas la nuit. On dit non à tous ces fiascos-là parce qu'ils sont tous là, ils veulent venir au Congo, tous les présidents. Ils veulent venir au Congo de l'Occident pour voir le président Tshisekedi. Mais entre-temps, on lui flanque le coup de couteau dans le dos. On a vu l'Union européenne, pas longtemps, accorder 20 millions de dollars à Paul Kagame pour son armée. Eh bien, bravo, série sur le gâteau. C'est pour tuer qui? Pour tuer le peuple congolais. Alors, nous sommes tous là pour dire non! 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 Mais Paul Kagame, il est appuyé par les occidentaux, les Américains, les Anglais, les Français, les Suisses aussi, tout le monde. Alors c'est fini, c'est fini la guerre. C'est fini la guerre. C'est fini la guerre. Nous les Congolais, on va réussir. C'est Dieu qui va nous donner maintenant la force. Et vous allez quitter. Kagame, il est appuyé par les Américains, les Français. Les Allemands, les Belges, surtout les Belges, ce sont les... Nous sommes heureux de partager ce moment. Nous savons que le Congo s'affirme sur l'indivisibilité de sa souveraineté. Donc ici, le Congo reste indivisible. C'est ce que nous venons aussi déclarer au monde entier. Nous venons déclarer à tous ceux qui veulent, qui lorgnent, la richesse du Congo, que le Congo reste indivisible, que le Congo, les Congolais sont attachés à leur sol. S'il y a les Occidentaux, tous ceux qui veulent venir profiter du bien de notre pays, ils n'ont qu'à venir, comme le disait aussi le président actuel de la République démocratique du Congo. Nous marchons sur le terme de gagnant-gagnant. Donc pour que nous puissions faire des affaires en respectant certaines règles. Mais aujourd'hui, on veut profiter, on veut détruire, on veut diviser, on profite pour créer une cisanie à l'intérieur même du pays. Le Congo a une expérience de traverser des moments difficiles, mais aujourd'hui, le peuple congolais prend conscience que le Congo reste indivisible. Le Congo reste un. Je pense que tout ce qui se passe maintenant pousse les peuples congolais à se mettre ensemble. Tout Congolais doit se mettre ensemble pour lever leur front et dire que ce pays nous appartient, ce sol nous appartient. Ce n'est pas un étranger qui viendra pour apporter une autre manière de vivre des Congolais, mais c'est l'expérience que nous avons eue depuis des années, qu'on a toujours cherché à nous diviser, mais aujourd'hui nous avons pris conscience de l'indivisibilité de notre souveraineté. Le Congo est souverain, un pays souverain. Donc que les Occidentaux, que tous ceux qui apportent des idées sécessionnistes de diviser le pays puissent comprendre que le temps de division est révolu. Le Congolais se met debout. Non, faut pas appuyer, faut juste parler.
Ingeta. Bon, tu es awa, ce n'est pas dans le Congo, tu es liboso ya oni, tu es pour na koye bisabango. Non, c'est bon, c'est bon. Vous allez juste interpréter ma cambo oye dans le bino français, que nous contre agression oyo, les alliés, pour les kanakatambo kanabiso, oyo M23, azali appuyé. Le gouvernement à Rwanda par le monsieur Paul Kagame. Alors, la communauté internationale, les alliés corrompus, les alliés comme on a ONU, les alliés comme les Kanakas, 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 les contentements de Biso, pour les Kanakas, les Kanakas, les Kanakas, les Kanakas, les Kanakas, les minéraux en Bokanabiso, au côté là-bas, la fenêtre 2, la fenêtre sur le Rwanda, la fenêtre présente M. Paul Kagame. Si vous voulez, quoi qu'on salle à Mosala, au Itali, minéraux en Bokanabiso, il faut rentrer par la grande porte. Porte Mounene et Zali, le gouvernement, il y a Congo. Alors, M23, il y a mon conso qui total M23 dans Boé. À Koki, côté le Maliboso et à FRDCT. Mais comme Bazali est soutenu par le Rwanda et par le Uganda, c'est ce qui fait que les alliés, côté Abisso, n'a difficulté, quelques petites difficultés. Pourquoi? Parce que dans un embargo, il y a armement. C'est-à-dire quoi? Sotolingi, Tosomba, bah, arme, Ezala, la Russie ou bien Ezala dans la France, il faut être à la notifier. Ça veut dire que il faut toi sabato auto sota la bandolo mission bandokoyo toi bi sabango marque ya arme pour kosomba toi bi sabango niveau quantité. Alors on a souveraineté ya mboka na biso zate dans un pays souverain. Alors vous autres quand que choki bo bi sabango mais oyo biso to kosomba net manduki ils sont capables à couper ça tactique ya guerre et pas ya bangula na biso pour bameka. C'est pourquoi tous alli koya awa ko dénoncer makambo oyo nosso communauté internationale asali ko sala polinga ngote le congolais to sto telemi le Congo pour le congolais le Congo pour le congolais le Congo pour le congolais le Rwanda au Rwanda le Rwanda au Rwanda le Uganda Uganda. Alors voilà koya awa pona ko loba makambo wana. Alors tokotika bande de communistes va s'exprimer dans Swahili, va s'exprimer dans Kikongo, va s'exprimer dans Amré, pour un message délicat. Merci beaucoup. Ouais, bonjour, chers internautes, ceux qui nous suivent en direct de Genève. Moi, je réponds au nom de Zoro Mabiala, via les news. Nous sommes ici à Genève en pleine manifestation, donc pour protester contre le Rwanda qui agresse le Congo. Mais à côté de moi, nous avons un manifestant qui est à ma droite. Il va se présenter pour le reconnaître. Il s'appelle comment, il habite où, il vient d'où. Il est à côté de moi. Bonjour mon frère. Oui, bonjour. Alors moi, c'est Zoro Mabiala, vous répondez au nom de... Je suis révérend pasteur Joseph Kabongo. Je suis pasteur à Genève depuis une quarantaine d'années maintenant. Je suis vice-président du Centre international Réforme Jonox, un centre qui organise aussi des rencontres quand il y a des conflits au niveau des organisations internationales. Quand il y a, par exemple, il y a eu la rencontre de Poutine et des Baden ici en Suisse. Donc ce centre, nous recevons un certain nombre de délégations pour les gens qui veulent discuter, partager dans le cadre des conflits armés surtout. Et nous sommes très mal dans cette situation en regardant ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui.
un pays qui est agressé. Et nous aimerions voir ce qui se passe à l'extérieur, dont nous participons des fois dans certaines situations, de voir comment nous pouvons apporter un plus aussi pour notre pays. Mais selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire vraiment pour arrêter cette hémorragie de l'agression? Vous avez une idée? Parce que le président, il peut avoir l'idée, mais en le soutenant, peut-être vous pouvez dire un mot ou une idée que vous pouvez donner pour faire arrêter les... Mais il y a une chose déjà au départ, quand on regarde la mobilisation, la forte mobilisation des Congolais sur toute la planète, parce que les Congolais aujourd'hui, on les retrouve dans tous les coins sur la Terre. Oui. Donc les Congolais ont pris conscience de l'indivisibilité de notre souveraineté. Donc si les Congolais ont pris conscience de cette indivisibilité, la première chose, c'est cette cohésion à l'interne, à l'intérieur du pays. Puisque les agresseurs, quand ils viennent, souvent ils profitent d'une certaine faiblesse qu'on trouve à l'intérieur de notre pays. Je pense que si aujourd'hui, comme le disait le président de la République, Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, quand il parlait de la mobilisation totale, comme il a lancé la mobilisation pour l'armée, je pense qu'une fois qu'on a pris cette conscience, cela, ça a un effet exceptionnel à l'étranger. Donc je pense que les Congolais sont appelés aujourd'hui à se mobiliser, à parler une même langue. Avoir non à l'agression rwandaise, non à la balkanisation de Sangani. On représente la diaspora sur la Suisse. Maman Aïe Aouti Berlin pour nous soutenir Bissot. Elle est là, à 8 ans pour nous soutenir Bissot. Alors, dès que nous allons à Awa, nous télévisons pour dire non à la balkanisation. Non, le Congo n'est pas à vendre. S'il faut faire les affaires, c'est gagnant-gagnant. Congo uni. Congo uni, oye. Oye. Et ce n'est pas mon point, Congo est au Kendete. Oye. Vous êtes d'accord? Oui, au Kendete. Alors, Tekena Kouyaka, tout un peuple moko. Non à la division. Il faut que son union soit tout à la uni. Tout ça devant drapeau. Parti politique, c'est école, religion, bendele et kweate. On est derrière nos FRDC. Par exemple, on a makasi. Il nous fait la force. Non, on va le faire maintenant, moi Séverine. Maintenant, tu veux d'accord. Ouais, moi, je me dis, mais c'est pas fatigant de continuer à faire des manifestations comme on le fait jusqu'à présent. C'est pas fatigant. Non, pas du tout. Pas du tout. Parce que si on ne se lève pas, on ne se met pas debout. On ne se met pas debout, le pays va partir. C'est grâce à cette mobilisation auprès de l'Union européenne, de nos peuples autochtones du Kivu, Nord et Sud Kivu, que le Congo n'est pas divisé. Parce que c'est dans leur plan, depuis 1885. Alors ils veulent l'exécuter ça maintenant. Et si on ne s'élève pas, il n'y a rien qui va être. Mais justement, vous le dites, mais ils sont en train de passer maintenant à la phase d'exécution de ce qui a déjà été préparé depuis longtemps. Est-ce qu'on va arriver maintenant aujourd'hui avec des petites manifestations comme ça, arriver à les faire changer d'avis? Mais on va arriver parce qu'ils ont la peur du gendarme quelque part.
si on est debout, parce que tous ces temps, ils le font parce qu'ils se disent, ah, mais eux, ils sont tranquilles, ils mangent les rochetis, ils sont bien payés. Ils vont faire une petite manifestation. Là, mais on reste debout. Hein. C'est fini, ça. On ne va plus rester assis. On va continuer. On va écrire les mémos. On va les déposer, les mémos. On va faire des manifestations. Tout à l'heure, les Iraniens étaient là. Tout à l'heure. Les Iraniens sont venus. Ils ont fait la manifestation. On a coupé, on a égorgé deux personnes là-bas, deux jeunes qui ont fait la manif, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont découragé. Ils étaient là tout à l'heure, en train de manifester. Mais ce n'est pas... Est-ce qu'il n'y a pas moyen de penser entre nous, les Congolais, entre nous, les Africains, de passer par d'autres actions que les manifestations? On peut le faire. On peut le faire. C'est peut-être que c'est le langage qu'ils comprennent. On peut s'asseoir et puis faire une grande réunion, dire qu'est-ce qu'on peut faire. Mais la manifestation, ça nous a sauvé en 2018. Sinon, Kabila, oui. Parce que quand ils entendent... Il n'a pas complètement dégagé, il est quand même là encore. Non, non, non. Il est encore là. Kabila est parti, il est fini. Kabila est parti, il est fini. Ouais. Je n'ai pas envie de parler de lui. Moi, je vais soutenir mon FRDC. On soutient le président Tshisekedi qui a dit « Levez-vous ». On soutient aussi le fait que les jeunes soient debout. Il faut que vous et moi, on demande à la Suisse d'aller former les jeunes là. Où sont les Congolais? Ils sont où? Vous êtes où les Congolais de la Suisse? Ils sont là. Il n'y a que ça, une petite poignée. Malheureusement, c'est comme ça avec les Congolais. C'est un temps record. J'ai demandé l'autorisation lundi et mercredi, ils ont dit oui. Et j'ai envoyé, les gens avaient déjà leur programme et tout, c'est pas grave. On va faire mieux la prochaine fois. Il y a le prochain manifestation, c'est à Berne. Ça sera à Berne. Oui, on va faire ça avec anticipation. Et nous voulons voir tous les Congolais de la Suisse. Oui. Et ceux qui sont à l'étranger, si vous pouvez venir aussi, venez. Nous allons passer Berne. Berne, c'est la capitale suisse. C'est là où beaucoup de choses se discutent aussi. Tout ce qui se passe à travers le monde. Donc nous attendons tous les Congolais. Ça fait déjà beaucoup d'années et beaucoup des années que nous venons toujours plaider pour les Congolais. Et jusque-là, il n'y a rien eu comme décision ou bien comme solution. Là, vraiment, ce que moi j'ai envie vraiment de dire à nos compatriotes, tout dépend de nous. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, on tue les Congolais et les Congolais qui souffrent, c'est nous qui donnons nous sommes incapables de nous défendre. Et si nous sommes incapables de nous défendre, cela veut dire que même la France, même les États-Unis, même l'Europe ne pourront jamais venir nous sauver.
nous devons prouver que nous sommes capables de nous prouver. Je vais vous donner d'abord les exemples de la guerre qui est au niveau de l'Ukraine. L'Ukraine, c'est un pays que l'Union européenne, les Américains ont laissé la Russie pour envahir l'Ukraine. C'est lorsque l'Union européenne et la Russie ont vu que les Ukrainiens étaient prêts à donner du sang, à se battre pour leur propre pays, ça les a motivés à venir protéger aussi l'Ukraine. Mais nous aussi, les Congolais, nous sommes là. Nous sommes toujours pour plaider. Nous ne faisons que prier. On ne fait absolument rien. Nous pouvons venir devant les Nations Unies parler. Même 100 ans, on ne pourra avoir des solutions. Jamais. Tout dépend de nous. En tant que Congolais, je plaide à tout Congolais. Vraiment, prenons conscience de nous-mêmes. L'avenir du Congo nous appartient qu'à nous-mêmes. Nous pouvons beaucoup parler. Nous pouvons chercher des... Ingeta! 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 Bon, tu es à la... Je ne suis pas dans le Congo. Tu es le bosso et à Oni. Tu es pour la courrier de Sabango. Non, c'est bon, c'est bon. Vous allez juste contre-prêter ma cambo au lobby en français. Que nous avons contre l'agression Oyo les alliés pour les Kanakatambo cannabis, Oyo M23 a été appuyé dans le gouvernement à Rwanda par le monsieur Paul Kagame. Alors, la communauté internationale, les alliés corrompus, les alliés comme on a Oyo, les alliés pour les Kanakatambo cannabis, les alliés pour le bailo pour mon côté. Yango Toye, Sika Oyo, pour na kolakisa, le contentement na biso, pour na kolakisa, kana na biso, soki bolingi, maye matali, minere ya mboka na biso, au côté là, par la fenêtre 2, la fenêtre c'est le Rwanda, la fenêtre présente M. Paul Kagame, si vous voulez, oya ko sala mosala, oya etali, minere ya mboka na biso, il faut rentrer par la grande porte. Porte Mounene et Zali, le gouvernement, il y a Congo. Alors, M23, il y a mon conseil qui totale M23 dans le boy, à coquille, côté le Maliboso et à FRDCT. Mais comme Zali est soutenu par le Rwanda et par le Ouganda, c'est ce qui fait que Zali, côté Bisso, n'a difficulté, quelques petites difficultés. Pourquoi? Parce que dans un embargo, il y a armement. C'est-à-dire quoi? Sotolingi, Tosomba, arme, Ezala, la Russie ou bien Ezala dans la France, il faut Ezala notifier. Ça veut dire qu'il faut Toyemi Sabato, Tosotala, Bandolomisho, Bandokoyo, Toyemi Sabango, marque la arme de Tosomba, Toyemi Sabango, niveau quantité. Alors, on a notre souveraineté, il y a beaucoup de la biche de dans un pays souverain. Alors, vous avez dit que tout ce qui est ici, Bango, mais vous avez dit que vous ils sont capables de couper sa tactique de guerre et pas de Bango dans la biso pour Bameka, contre biso contre mur. C'est pourquoi vous avez dit que vous avez dénoncé ma cambo, communauté internationale, Azali Kosala, pour l'ignorance, le Congolais, tout ce qui est l'ennemi. Le Congo! Pour le Congolais! Le Congo! Pour le Congolais! Le Congo! Pour le Congolais! Le Rwanda! Au Rwandais! Le Rwanda! Au Rwandais! Le Ouganda! Au Rwandais! Alors voilà, pour les Awa, pour Nako, Loba Makabouana, alors Tokotika, bande de communistes va s'exprimer dans Swahili, va s'exprimer dans Kikongo, va s'exprimer dans Zaïre, République de Zaïre, les autres Zongi, République démocratique du Congo, Mboka na biso. Tous les gens passent, mais qui les a retenus. Or, Mboka Oyo Nde Moutou, ils ont pesa le potentiel dans Mokili Mobimba. Ils ont été à la Bissot, ils ont été à la Nde, ils ont été à la Nyata, ils ont été à le sous-sol. Ils ont été à la Minere, Nkita, Bomengo na biso. Bomengo na nzamba pesa biso, ils ont été à la Matata. Hein? Bazomona biso te bazomona batute bazomona kaka o ezana sa makolo o tozo nyata bomengo meza ya biso mboko ezaya biso bakoko na biso oni wana toye ba ko proteger yango mboka na biso parce que ezaya biso tozo ba ko proteger yango te tozo la mayele tozo ba ko proteger yango te yango wana tozo zo ba nungu nungu oyo bomoni bango ba lobanini ah etali bango etali biso te
et sauté. Donc tant que bango baza yeux flou et talibi sauté. Biso de profiter. Alors toi là qui sa bango que to lingi mboka na biso. Zanga na yo biloko belé mais zanga ma belé té. Bota la Palestine na ko bomba té bota la Palestine. Baza ko lela. Mbula na mbula. Pona nini? Po baza na ma belé té. To bundé la mboka na biso. Total elongia tel total ané biso ba congolais. Des centres de prospection, ils ont trouvé des, ils vous ont mis des abbés, des prêtres, qu'on croyait des prêtres, mais qui étaient plutôt des officiers, des renseignements, des chercheurs, des savants. Et quand ils ont eu toutes ces informations-là, ils se sont dit, et voilà notre paradis. Ces pays-là, on ne peut pas le lâcher ni le laisser à ces autochtones. Le loi de Monique, ma communauté, comme vous le savez, c'est tout le monde à le changement de temps. Maintenant, le pouvoir a basculé. Le pouvoir est maintenant à l'est. Maintenant. Et l'ouest est dans la pénurie. Ils ont vivre la côte de la Ndengue, pas comme une galérie. Mais bah, éduquer, leur seule chance, c'est contrôler le Congo. Celui qui contrôle le Congo, contrôle le monde. À vous, peuple congolais. Bola Mouka, Tangouzi Foueni, Yibadia Koumbani, Bola Mouka, Bobunda Pona Pokora. Aucun ne viendra se battre pour vous. Moutor, Bunda Pona Binozalité. L'église, oui, l'église est allée le remoko personnel, pour mon personnel. N'en faites pas quelque chose de collectif. C'est le remoko personnel, chacun vit sa foi. Mais pour le Congo, c'est le remoko collectif. Pour la vie, le Congo, c'est le paradis. Paradis, église, vous allez imaginer. Mais paradis, le bagage terrestre, c'est le Congo. Rendons notre pays un paradis. On n'aura pas besoin de venir s'installer en Europe. On n'aura pas besoin de quitter notre pays. Parce qu'on a tout. On a l'eau, on a la forêt, on a tout. On a une terre arable. Bande de Kobo la Mouka. Dites-moi une hostilité. On va gagner une bataille. Mais nous, encore, nous n'avons pas encore perdu la guerre. Tout le monde est là-bas. Tina Souka. Et là-bas, qui nous a dit Nali Fobo. Tout ça là-bas. Donc, il y a un Tina Souka. La guerre est longue. Ne pensez pas que les Kambouya, Bounaga, Navana et Sili. Non, non, mais Sili. Après Bounaga, Nava, Okitana. Donc, quand les Alliés ont été. J'ai une question dans les Alliés. Est-ce que. Est-ce que vous comptez pour la manifestation? Vous continuez à faire le baka? Nous allons nous dire que tout baka n'a pas monté, alors que le baka n'a pas monté. Est-ce que vous continuez à faire le baka? Pour ceux qui continuent à faire le baka, comme ça. Voilà, ok, en tout cas, c'est bien que vous continuez à faire le baka. Ce qui est le plus dit pour le baka, c'est qu'on a pu avertir. Le baka, les Camerounais, surtout avant au sala, le baka n'a pas été là. Tant que vous êtes là, ceux qui vont quitter trop, tant que vous êtes là, vous êtes là. Mais il qui a l'obaki. Je pense que c'est le nom de Kamwa Rwanda. Ce que le président a dit que tant à l'Ikamwa, tout le temps à Rwanda, bon, Nassir, dans le but que la Kanisinaïe est mère, dans le Banza qui a dit que Bélé, il y a un lanceur pour tant que vous frappez, pour le battre, pour le battre. Le nom de la Hatna tenu à Oyo, c'est pour le Sakan dans la Mokonamboka. Je suis prêt. C'est pour le Mokonamboka, l'obaki. Jusqu'au sacrifice suprême. L'or bang est sauté. L'or bang est sauté. Où est-ce que bang allait à votre télémaga jamais? Restons debout, dressons nos fronts. Ouais, bonjour Bande Kobalangi, bonjour ma Congolais. Là c'est Foro Mabia la Bélé News, bien habillé à Boga. Boutou avec qui il y a la Katarou et Marte Faïti na beauté. Voilà, Gaïe Yonaza en direct à Genève. Alors, to Kangi marche awa, to yaki na ba Congolais, ya des pères et des mères, pour na to la kisa ba mécontentement na biso vis-à-vis ya mikwape oyo ya Paul Kagame, muto yo baza ko agresser Congo. Alors, dans tout ça, oyo to yeli awa, to yo senga unité. Toza la bomoko, to tika division, pour na to meka kolonga munguna. Ce qui est même dans l'histoire, il y a Banyama na Zamba, il y a Bamboloko Oyo, il y a qui ont bundani balé, il y a qui ont dévoré Bango, via Bitumba, il y a qui ont bundani. Il y a un autre qui est dans le Congo, les partout, aux alliés, tous à la Ini. Il y a même dans le Congo, les Canabas, les Ndou, les Kouamoutou, les Pavandekonabiso. Il y a un autre qui est dans le Bango, Mateka, soit disant que.
yakana bateke bazobunda eza bango te bazobunda ezali barwandais ba infiltré biso na erreur na biso moko ezosala ke tozo perdre libi na bande ko na biso alors na sengi lisusu au nom de président Félix Tshisekedi Tshilombo étant que congolais ko sengi na bino bo bakisa vigilance Oyo ayebi ke aza capable de plus à conserver pays na armée à rejoindre et faire des scènes à biso ton a compris sa bango quoi pour que ton me capotia Rwanda dehors donc unité ça la quelque chose à la bomoko awa to ya kia wa tozana ba kibon se parti politique ya ba zokolo tozana ba kongo ba ngala ba lupa ba mbala mais le coup les accords sont les annonces remercier peu ma représentant la biso ya ambassade ya RDC ya Genève na ba représentant la biso ya ambassade ya Berne oyo ba yeko soutenir biso na ba ndeko ba congolais nyonso bazali awa alors lelo tosuki nanu awa mais souci kaka moko ba congolais ebele baza na Suisse awa Mais tout le monde est là, vraiment beaucoup de Prochainement, ceux qui sont là, ils sont là, ils sont là, votez-les, ma boya, parce que les gens qui sont là, personne n'a pas été là, pour l'éternel. Mutra mutala na mboka na ye soki botali même na ba passeport boza na ngoya ba suisse ya ba français ya ba allemand ya ba belge lokomona ke akoma ne a kinshasa ou ne a kasumbalesa parce que oza d'origine ya mboka wana ce qui dit que soki okomi na retraite neti nga na 65e année na nga na octobre 2023 na kokende retraite na mayombe na mboka na ngai na tchela Alors, c'est là que toujours au Bunda, on a mabélé ma vie. Voilà, Bandeko, on a fait un gros bouquet à Kumba. Et on a remercié ma Congolais, nous, la Bandeko, la vie, ma caméraman, ma yé, en plein Malini. Mais, à ça, on dit vraiment, on a basé ma image, on a Bandeko, ma mona, de tout ça qui a. Parce que nous, on a prochainement vraiment, on a massif. Pour la soutenir. Votre humble serviteur, Zoro Mabiala, bien Nabino Yapoga, pour toi, les filles à la carte de la partie de la rue de Merci.